Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui sur SSA Saint Seiya Awakening pour commenter la finale de ce Jamir. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, bombarder la barre de pouces bleus, partager cette vidéo et n'oubliez pas de checker en description, vous y trouverez la chaîne Twitch pour me follow et ainsi profiter de tous les lives. Quelle grande finale, quel magnifique Jamir. Voilà, Papa Mlet contre Grey Haze, on est parti, on va tout de suite se commenter ça, hein. Pur régal. On commence par la première composition. Papa décide d'entrée de jeu de sortir la composition Hades RC Canon. De son côté, Grey Haze sort une composition que moi personnellement j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. Bon, ok, il y a deux béliers dedans, donc forcément ça penche un petit peu, mon cœur penche vers cette composition, bien sûr. Et donc du coup, j'ai Canon, Mu, Chion, Jun Hypnos et le Shura. Donc composition très intéressante hein, de la part de Grey Haze. Grey Haze qui décide de poser la res tour 1 sur le canon adverse avec son G-Canon. Alors ce n'est pas quelque chose de choquant. Là dans la composition que nous propose Grey Haze, il ne va pas pouvoir forcément utiliser son G-Canon avant d'atteindre les 8 d'énergie. Donc autant rentabiliser au maximum le personnage en posant la res avec. Ce n'est vraiment pas mauvais. De son côté, en plus de ça, Grey Haze peut se permettre, au vu des vitesses de ses personnages, contrairement à celle de Papa, il peut aller chercher le cauchemar tour 1 sur ce Mew afin de le ralentir. Papa décide de l'accélérer pour être sûr que son Mew soit sorti T2. Et à setup, là on ne le voit pas, mais il y a une res de Saori sur ce Mew. Le Mu vient de scinder les boucliers en deux, l'auto-attaque part sur le Mu de l'adversaire. Le Thanatos va refresh, enfin, va maintenir deux cauchemars sur le Mu adverse et passer en perdu pour le soin. Le premier triangle part, la cible choisie c'est ce Shura parce qu'il ne possède pas énormément de PV et en plus de ça, ça fait disparaître le mur, ce qui va permettre à Papa de rentrer plus de dégâts, puisque pour rappel, tous les dégâts cosmiques qui seront absorbés par des murs ou la robe de Chion ne comptent pas comme des dégâts allant dans le triangle, puisque bah, ce ne sont pas des dégâts qui ont impacté les points de vie adverses. Le Mew qui va chercher un premier focus sur le Chion, le Pog est mort des cauchemars, on refresh la croix sur le petit Hades. Le mur de Mu qui est reposé, la liane est suivie, en plus de ça, on a une robe sur cette June. Du coup, l'éclipse qui proc, beaucoup de dégâts seront tankés du coup par ces divers boucliers. L'éclipse qui part du Hades. Et alors là, chose que je ne comprends pas forcément, en fait, il y a deux assistances de Pog qui partent. Il n'y a pas eu de double tour, il y a vraiment eu juste cette éclipse. Donc si quelqu'un a la réponse... Pourquoi le Pog a assisté deux fois, ça m'intéresse énormément. Du coup, le Shura explose, il y avait suffisamment de dégâts pour le tuer, par contre pas beaucoup de dégâts supplémentaires pour permettre de faire exploser la composition globale. Et là, le Mew qui vient rentrer juste des dégâts de Barjo à travers le lien de Jun, qui réussit à proc le passif de Gemini Canon. En plus de ça, le Hypnos est tombé grâce à la liane. L'auto-attaque qui proc, bien entendu, grâce à la res. Le Mu qui va décider de reposer un bouclier. La liane de la June qui est déposée. Et là, bah, on a un Mu qui va continuer de dérouler. On va aller chercher le kill sur le G-Canon. En plus de ça, la June via le lien est morte. Et là, le Mew continue de rentrer des dégâts juste absolument monstrueux dans ce Mew. Et dans le Chion afin d'éviter une Starlight Extinction ou une protection. Et du coup, ben, GG à Papa qui s'impose dans cette première game. Vraiment les dégâts du Mew juste ahurissants. Je vais vous montrer les stats du Mew de Papa pour que vous puissiez comprendre. Alors déjà... Il y avait l'éclipse de Hades qui a proc, donc 35% de PV maximum en moins sur toute la composition de l'adversaire, donc ça aide déjà énormément. Mais en plus de ça, regardez ce Mew, il est en néant plus champ de dragon, on atteint les 10 600 d'attaque cosmique
pour tout de même un total en vitesse de 130 points. C'est assez énorme. Donc juste des monospeeds apparemment qui ont été déposés. Voilà, il y a 3 monospeeds, 4 avec la Felina, et au niveau du vol de vie, on est aux alentours de 40%, on est à 38,85%. Un Mew juste vraiment, enfin, impressionnant. Impressionnant. Du coup, c'est parti pour le deuxième match de cette finale du Jamir 12e édition, si je dis pas de bêtises. Et de son côté, Grey Ace va cette fois sortir la compo Hades, histoire de potentiellement s'assurer une victoire. Papa pouvait se dire, c'est bon, je suis plutôt tranquille, j'ai une compo Hypnos, il y a moyen d'aller chercher ce Mew, sauf que nope, il y a le rune qui pourra remove les cauchemars, et en plus de ça, petit manque de vitesse dans le Hypnos, le Hades est beaucoup trop rapide, du coup, papa n'a pas le temps de setup un cauchemar sur ce Mew. L'Eclipse qui est bien entendu lancé dès le tour 1, ça proc sur le rune adverse. Le petit G-Canon qui va juste servir à poser une auto-attaque. Le lien n'a pas été déposé pour pouvoir s'assurer de pouvoir jouer toute la composition de papa. Donc on a eu un double tour sur le Hypnos. Derrière, on va pouvoir buffer avec le rune. Et pour terminer, on pourra tout simplement mettre les chaînes de Shun sur un adversaire. Et là, je pense que la meilleure des cibles reste ce canon pour éviter un triangle T2. Et les chaînes qui partent sur le canon justement pour éviter le triangle T2. La petite auto-attaque pour marquer l'adversaire avec le ADS. Le G-Canon qui va continuer de servir à juste faire des auto-attaques, qui est vraiment là pour le late game et apporter 3 d'énergie dès le tour 1. La Jun qui cette fois setup son lien. Le Hypnos qui va poser ses cauchemars un petit peu partout. En plus de ça, il a été buffé par le rune. Donc à chaque fois que les tics de cauchemar vont proc pour faire des dégâts, ça va mettre des brûlures sur l'adversaire. Double tour qui a été déposé sur le Mew. Et les chaînes qui partent cette fois sur le Shun GC. Alors très certainement dans l'espoir de pouvoir réussir à tomber ce G-Canon assez rapidement entre les brûlures et le cauchemar. L'éclipse d'Hadès qui proc. Beaucoup de dégâts. En plus de ça, l'Hadès est buff par le rune. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, ça a installé des brûlures sur toute la composition de papa. Encore une fois, l'auto-attaque du GK qui part. Le Mew qui finit son évolution. Le Hypnos qui va venir redéposer un maximum de cauchemars. Vraiment, toute la composition dans ce début de game est basée autour du dot, des dégâts sur le temps, pardon, donc via les brûlures et via les cauchemars. Le petit rune qui finit par se transformer, qui là va commencer à mettre des coups de fouet, ça prend un premier kill sur le Shun ADS. Deuxième coup de fouet. Le double tour qui est setup sur le Mew. Le G-Canon qui est beaucoup trop ralenti, donc là du coup on n'a pas le risque de rentrer des dégâts dans le triangle grâce au Mew, ça reste une très très bonne nouvelle. Le Mew qui push un gros nombre de dégâts. Et là en fait on va avoir un problème, c'est qu'il va falloir refresh la Shun avec le Shun. Le truc c'est que si jamais il fait la Shun sur le canon, ça va le tuer. Et théoriquement, si ça le tue, le fantôme qui va repop ne sera pas capturé dans cette chaîne. Donc là, il est dans l'impossibilité d'aller capturer ce canon. Il décide donc de partir capturer le Hades. Le canon va partir capturer la Jun de papa. Et là, en fait, moi, je pense personnellement, après, papa, si tu passes par là ou si vous avez une autre idée, personnellement, j'aurais mis un double tour sur le G-Canon. Et j'aurais vraiment envoyé un maximum de dégâts dans le Mew pour pouvoir le terminer. Donc j'aurais fait deux fois les Galaxian Explosion sur le Mew pour potentiellement m'assurer le kill du personnage. Parce que là, on le voit, franchement, ça a fait vraiment pas mal de dégâts en une météore. Le
Canon qui tombe, le fantôme qui repop, on peut se permettre de poser un triangle supplémentaire, le triangle qui part sur le Shun, Shun qui est en DT. Et là, le problème, c'est que le focus, il n'y a plus de Jun, le focus est pris sur le G-Canon. On a à peu près le même G-Canon, le même Mew que Papa Hamlet. Du coup, le G-Canon tombe. Et là, clairement, à aucun moment, Papa n'a le DPS pour tomber le Mew. Il ne pourra pas prendre les stacks de brûlure. Le Hypnos ne fera jamais le travail face au vol de vie du personnage. Donc là, clairement, Mew va pouvoir finir de carry la game à lui tout seul. Du coup, à partout, GG Grey Gaze. Je pense vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, mais que c'est sur ce tour-ci, enfin sur le tour précédent, quand il est allé chercher le kill avec le G-Canon sur le Shun Hades, le fantôme du Shun Hades, puis ensuite bah, ça s'est dévié sur le Mew, je pense qu'il aurait fallu potentiellement mettre un double tour sur le G-Canon et vraiment aller chercher le focus et aller chercher le kill de ce Mew. Je pense que c'était possible et que ça passait. Hein. Vraiment, les personnages sont monstrueux à ce niveau-là. Et quand on voit déjà les dégâts qu'il y a eu après déviation suite au kill de Shun Hades sur le Mew, alors que le Mew justement était buffé puisqu'il y avait eu un mort dans la composition, donc le passif de Shun Hades se met en place, je pense vraiment que ça a passé. Et concrètement, si le Mew était mort, si le kill était pris, je pense que le G-Canon aurait fini de carry la game à lui tout seul. Alors, j'avais dit que je vous montrerais quel personnage... Ah oui, la vitesse du Hades. Ok, donc il est en colibri, plus 400 de speed. C'est pour ça qu'il passait devant un petit peu toute la composition de Papa. On est sur, bon, grosso modo, bah, 707 de vitesse. Et la Luna de Papa, ouais, est clairement à beaucoup moins. Hein. On est aux alentours des 600. Du coup, on est parti pour la troisième manche de ce match. Les games, en tout cas, étaient très très serrés. Vraiment cool à regarder. On n'est pas encore arrivé à ma préférée. Elle devrait pas tarder. Ok, cette fois, Grey Aze qui va sortir une compo Ichi, Minos, Evil Saga, Thanatos, Ulysse, Athéna et Papa va décider de pousser avec sa même composition. Du coup, c'est parti. Bien entendu, on speed le Minos. Là, on a vraiment beaucoup de cibles viables. Et pour Grey Aze, il décide de partir chercher la Jun. Je pense que pour moi, ça reste le meilleur play. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, s'il était allé chercher par exemple le G-Canon, Papa aurait tout simplement setup sa Jun. Et il aurait pu se permettre de répartir les dégâts. Et le Evil Saga n'aurait clairement pas eu le même impact dans la game. Alors que là, en faisant ça, Grey Aze, ce qui se passe, c'est que il interdit son adversaire tout simplement d'utiliser de l'énergie pour forcer le stun sur le Minos. Donc c'est très bien joué et du coup il décale d'un tour la mise en place du jeu de Papa. Donc c'est vraiment très intéressant et au final je pense qu'avec le recul clairement la capture de Jun tour 1 avec le Ichi Minos c'était vraiment la meilleure chose à faire. Ce qu'on aurait pu se dire aussi, aller chercher potentiellement le canon, forcer les météores. Comme ça, on avait le contre-coup du Evil Saga qui allait punir tout ça. Mais le truc, c'est qu'on aurait eu le lien de Jun pour défendre. Et du coup, ça aurait été compliqué de setup énormément de dégâts. Alors que là, en allant chercher cette Jun, le G-Canon va donner 3 d'énergie qu'on ne va pas pouvoir utiliser. Et vraiment, on retarde la mise en place des dots, la mise en place des brûlures, de tout. Donc c'est vraiment, vraiment très bien joué pour moi de la part de Grey. En plus de ça, il interdit la pose des chaînes. Puisqu'il avait Aphrodite dès le tour 1, le Evil Saga. Et là, la cible la plus intéressante pour les chaînes de Shun, clairement, c'est d'aller bloquer cette Evil Saga pour pouvoir déployer son jeu. Ichi Minos pour la manche 3. Et cette fois, ça va chercher le Shun. On interdit la pose des chaînes sur le Evil Saga. Ça passe. Le Thanatos va commencer à push un maximum de dégâts dans le rune. La Papa est vraiment pas très bien. Les bons dégâts qui sont envoyés sur le Ichi. Le rune qui se transforme. Qui va tenter d'envoyer un maximum de dégâts avec son fouet. Le regard mortel qui tombe. Et hélas, ça ne suffit pas à tanker hein, le gain de tankiness du personnage suite à sa transformation. Qui tombe sous les dégâts de l'œil de Thanatos. Thanatos qui était quasi full rage. Donc les dégâts étaient juste monstrueux. Il ne reste plus que le Gemini Cannon. Donc là,
c'est clairement gagné pour Grey Hayes qui s'impose sur ce match d'une très très belle façon et très bien menée. Et là, Saori va lancer l'exécution. The end. GG à lui. Grey Hayes qui mène donc sur le score de 2 à 1. Papa n'a plus le choix. Il ne peut plus perdre une seule game. Toute la France est derrière lui. Tous les francophones sont derrière lui. On va voir tout de suite ce que ça a donné. Combat 4. Toujours Grey en bas et Papa en haut. Papa, cette fois, va décider de changer de composition. Alors que Grey va push avec la même, donc la compo avec les deux béliers, le G-Canon, Junipnos, Shura. De son côté, Papa va sortir Athéna, Ulysse, Thanatos, Shiryu, Shen GC et le Minos. Et là, vous allez voir, c'est l'un de mes matchs préférés, clairement. Le plan de jeu pris par Papa est juste excellent. On a beaucoup douté pendant qu'on commentait la partie, parce que c'est vrai que moi, il y avait certains moments où je pensais que c'était intéressant d'aller chercher le lien sur la June pour laisser passer ensuite l'œil et être sûr de prendre des dégâts en mono-cible. Vous allez voir, ce n'est pas du tout ce qu'il va choisir de faire. Donc le Hypnos qui commence à setup ses cauchemars. Ça part sur le Shiryu. L'œil est déposé sur le G-Canon pour réussir à le tuer le plus rapidement possible et pouvoir se débarrasser de cet Ares. Et là, le Minos va envoyer tout simplement ses fils sur le Mu. Et au final, le plan est juste très très bon. Pourquoi ? Parce que vous allez le voir. Donc là, déjà, on a une première AOE qui pop. Et regardez bien la barre de rage de ce Thanatos. Papa décide d'envoyer l'AOE avec le Mu. Et là, il va tout simplement faire grimper le plus vite possible la barre d'AOE, la barre de rage du Thanatos pour pouvoir enchaîner tout simplement le plus d'AOE possible et faire en sorte de setup le plus de dégâts pour empêcher ce Hypnos de pouvoir faire la balance et de réussir à maintenir en vie la composition via les soins. Encore une fois, là, on est à 2 AOE sur un même tour. Les liens de Minos qui sont refresh. Le Ulysse qui dépose un soin. Le Minos qui est très important dans le plan de jeu de Papa, donc qui est protégé par ce Shun. L'Ares qui se met en marche. Le regard mortel qui tombe. On est très bas en rage et ça suffit à proc le passif de ce G-Canon. De très très bons dégâts en plus de ça qui sont répartis sur un petit peu toute la composition. Papa décide de push des dégâts supplémentaires avec la Saori, il continue avec l'Athéna, il continue d'envoyer des AOE avec le Mu pour faire grimper les dégâts, pour faire grimper la barre d'AOE, la jauge de rage du Thanatos. Les marques qui sont redéposées, cette fois ça part sur le Shun, le skill 2 de Thanatos qui est utilisé pour continuer de push un maximum et le plus vite possible des AOE, l'AOE qui part. Les très très bons dégâts qui tombent. Le Shiryu qui va décider d'envoyer lui aussi des dégâts pour essayer de se débarrasser le plus rapidement possible de ce petit G-Canon. Un personnage de mort déjà du côté de Grey Hayes. La robe qui est déposée pour essayer de maintenir en vie ce Hypnos le plus longtemps possible. L'Athéna qui va pouvoir aller chercher l'exécution sur le G-Canon. Et là, on retire la grosse base de dégâts mono-cible de la composition de Grey. Même s'il y a encore un Chion qui est là, qui est disponible et qui peut envoyer de très très gros dégâts. Déjà, la perte de ce G-Canon est un gros coup dur. En plus de ça, ça coupe l'Ares. Donc, le Minos va pouvoir réinstaller son jeu de contrôle. Papa va pouvoir continuer de push des AOE pour faire grimper la rage de son Thanatos et envoyer des dégâts juste monstrueux sur la composition de son adversaire en true damage. Le soin de Ulysse qui tombe. Ça push avec le skill 2 de Thanatos, toujours pour la rage. Le Shiryu qui push des dégâts lui aussi. La bulle est tombée. On continue de maintenir le contrôle sur ce Minos.
On retourne capturer ce mu. Et comme à l'habitude, on va continuer d'envoyer les AOE avec ce mu pour charger ce Thanatos. L'AOE qui tombe. Très très bon dégât. La June commence à être très très basse en PV. Là, le but serait de réussir à s'en débarrasser tout de même le plus vite possible, ou même du Hypnos, hein, pour empêcher ce soin via ses cauchemars en perdu. Le soin qui tombe, la composition de Papaquet très solide. Cauchemar posé sur le Minos, le skill 2 qui push sur la June. Encore une fois, ça monte excessivement vite la barre de rage du Thanatos. On continue de push un maximum de dégâts avec ce Shiryu via les dragons. La June qui passe exécutable, fort heureusement, elle est soignée par le Hypnos. On continue bien entendu de refresh les fils sur le Minos pour être sur le Mu pardon, pour être bien bien sûr de garder le contrôle de ce Mu. La Starlight qui part sur le Ulysse, hélas ça ne suffit pas à prendre le kill. Une deuxième AOE qui tombe sur ce tour de la part du Thanatos. Le Mu va venir encore une fois charger la rage en lançant une AOE. Là cette fois on va avoir l'œil de Thanatos qui proc. La June tombe, le Chion tombe, le Mu tombe. Il ne reste qu'à finir le Hypnos. GG à papa. Cette manche était vraiment pour moi, c'était le plus beau match, le mieux géré. Enfin, en tout cas de ce soir-là, parce que le match aussi avec contre Fakir avec le Shiryu était juste incroyable. Et du coup, de partout, on est parti à manche décisive. Et là, il va y avoir des surprises de la part de Grey Eyes. Il décide d'aller chercher, de surprendre son adversaire. Vous allez voir ça de suite. En sortant tout simplement un Nikki GC et une Pandore. Alors, la Pandore est plus ou moins break par le Hypnos adverse. Alors, ensuite, personnellement, je pense qu'il a été plus ou moins obligé de sortir la Pandore. Pourquoi ? Alors déjà, ce qui est intéressant quand même, c'est que ça va transformer les debuffs en vitesse. Ça, c'est vraiment cool. Après, il n'avait peut-être pas forcément un Jamian qui était dispo et monté avec des Cosmos qui étaient préparés en fait, qui étaient set up pour pouvoir sortir un Nikki GC en cas de besoin. En tout cas, 12e, on est au Jamian numéro 12, on est en finale, on voit de Nikki GC, on voit de la Pandore, ça fait vraiment très plaisir, ça montre qu'il y a vraiment énormément de possibilités dans le jeu actuellement. Papa repart donc avec sa première composition, il va installer son jeu de Dot comme au premier tour. Bien entendu, les cauchemars qui partent sur la Pandore. Le Hypnos qui a été double tour. Il est passé directement en perdu. Il a marqué le Hiki. Puis il a remis deux marques sur le Hypnos de son adversaire. Le Hiki qui va tout de suite aller se transformer. Et il va pouvoir être accéléré puisqu'il pourra être soigné assez rapidement. Voilà qui est fait. De son côté, papa, il a encore son Shun à jouer et là, il décide d'aller capturer cette fois la June pour bloquer la possibilité de mettre un lien. Cette fois, comme ça, les dégâts via les dots feront vraiment des dégâts de façon mono-cible, vraiment plus important, plus impactant, parce que quand même un Hypnos et un Rune de cet acabit font très très mal. En plus de ça, il va pouvoir push des dégâts supplémentaires s'il a besoin d'aller chercher des kills avec son G-Canon, donc le contrôle de June est très intéressant. Comme on peut le voir, le Hiki qui a pris le focus de G-Canon et qui push mine de rien vraiment énormément de dégâts. Le Hypnos pour l'instant réussit à tenir la distance et à très très bien soigner. Mais là clairement je pense qu'on ressent quand même un petit manque de personnages comme Shunades ou autre dans la compo de papa. Hein, ça aurait vraiment amené du sustain supplémentaire. Mais vraiment le combo de June Hypnos qui pour le moment tient très très bien. Le Hypnos de Grey qui va aller déposer ses cauchemars sur le Hypnos de son adversaire. Et aussi refresh sur le G-Canon. Le lien de June qui est bien entendu refresh. L'auto-attaque qui part avec le G-Canon. Pour le moment, il préfère utiliser son énergie dans autre chose. Donc, comme on l'a dit dans des parties précédentes, c'est pas déconnant de voir le G-Canon partir en Galaxian que à partir du tour 3 ou 4. Vraiment, quand on atteint 7 ou 8 d'énergie. Un maximum de cauchemars qui sont déposés sur le Hypnos et sur la Pandore.
et le refresh de la chaîne sur la June afin d'être sûr de tenir deux tours suite au proc du Ares qui se fait sur ce tour-ci. Le Mu qui commence à installer un très très beau jeu de mur. Le Hypnose qui commence à être un petit peu dans le mal de côté de Grey Haze. Plus vite il arrivera à s'en débarrasser et plus vite il enlèvera une force de soin de la composition de son adversaire. Donc là, Papa a vraiment besoin de terminer assez vite. Soit Pandore, soit Hypnose, là comme on vient de le voir, les dégâts des debuffs qui viennent de proc, ça a juste fait fondre les PV de la Pandore. Le Hiki pour l'instant qui est... encore une fois, sur cette manche 3, très très bien contenu par le Hypnose. L'auto-attaque du G-Cannon qui part. Cette fois, ça va chercher le focus sur le Mu. Le double tour a été déposé. Ça permet au G-Cannon ensuite de partir en Galaxian pour essayer de prendre le kill de ce Mu. Là, ça devient vraiment très très important. Hélas, il ne manque pas grand-chose pour réussir à le terminer. C'est fort dommage. Derrière, le Hypnose va tenter de prendre le kill avec une auto-attaque. Hélas, ça ne suffit pas. El Famoso, pixel légendaire. La transformation du Valentine qui se fait. Le petit coup de fouet. Ce qui permet de se débarrasser du Mu et de proc l'ADT de cette Pandore. Le Shun qui n'a bien entendu pas pu refresh sa chaîne, puisqu'il est toujours sous l'arrêt du G-Cannon adverse, sauf que là, bah, la June est toujours capturée, donc clairement, ce G-Cannon est accessible. On peut aller chercher le kill. Par contre, comme on est en train de le voir, vraiment là, beaucoup de dégâts qui ont été push par le Hiki GC de l'adversaire de Grey Haze. Pourquoi ? Bah, parce que là, on a fait un double tour tout à l'heure sur le G-Cannon, donc du coup, il y a eu beaucoup d'assistance du fantôme, du clone qui est derrière, et chacune de ses assistances a permis à Hiki GC d'envoyer des dégâts, donc ce qui a été un petit peu compliqué. Sur ce coup, Papa décide donc de se débarrasser du Hiki, qui est vraiment une force de DPS ultra dangereuse. Pour le moment, le G-Cannon de l'adversaire est clairement contrôlé, puisqu'il est sous Ares, il ne pourra pas snowball avec ses météores, malgré le fait qu'il ait beaucoup de marques. Le double tour qui a été déposé sur le G-Cannon, pour aller tranquillement terminé ce Hiki GC, les dégâts sont juste dingues, 2 météores vont suffire. Ensuite ça switch sur la June. Le triple tour qui proc, donc l'auto-attaque qui va tout de suite partir dans le Hypnose est mort. Une possibilité de soin en moins, il ne reste que cette Pandore. L'auto-attaque qui part, enfin les auto-attaques qui partent sur le G-Cannon, la resquiproc, la Pandore est morte. Et là, je pense qu'on peut le dire, Papa s'impose dans ce Jamir. Alors par contre, les dégâts sont assez énormes. Hein. Le Shun meurt, ça fait vraiment très très mal. Mais clairement, là, c'est plus ou moins terminé. Il suffit de faire un petit double tour sur le G-Cannon et d'aller chercher le kill bien tranquillement. GG à un grand 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 GG à Papa 3. Qui du coup maintenant est à la fois joueur sur E6 et joueur sur E3, qui remporte ce Jamir entièrement mérité. Ce Jamir était clairement pour lui, il a été intraitable à chacun de ses matchs, il nous a livré de très très beaux combats. Vivement, vivement le mois prochain. Sur ce tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, bombarder la barre de pouces bleus, partager cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.